kokite koboma e na kokite kofanya kimyo na kokite nazanga mamba e na kokite nakanga moko bola mwanzambe eleki bomoninga na kokite koboma e awe bona bola moko sali chanter ses rangs. Ça m'inspire. On va chanter ça ensemble. Alléluia. Dieu tout puissant, quand mon cœur considère tout l'univers, payé par ton pouvoir, mes états-unis, mes
Père, je te rends grâce pour ce moment. Tu es le maître des temps. Tu es le gérant parfait des toutes circonstances. Seigneur, je veux que ce matin, tu puisses prendre les contrôles de ces moments. Saint-Esprit, les hommes ont parlé de ta part. Je ne veux pas parler de moi. Je ne veux pas utiliser ma sagesse et mon intelligence. Je ne veux pas, Seigneur, que je puisse apparaître devant ce peuple. Mais je veux, Seigneur, que toi seul le vrai Dieu, que tu puisses apparaître. Toi seul le vrai Dieu, que tu puisses parler. Toi seul le vrai Dieu, que tu puisses te manifester. Afin que la gloire puisse te revenir. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour votre présence enseignée. Je bénis le Seigneur aussi pour l'homme de Dieu et le pasteur Aimé. Pour cette marque de confiance. À mon égard. Alléluia. Amen. Je ne suis pas le meilleur. Ni le plus bon. Mais par la grâce de Dieu, Dieu l'a touché pour qu'il puisse m'appeler. Afin que je puisse vous apporter la parole de Dieu. Je reprends au nom de Michel Mouyaya. Je suis marié. Je suis accompagné par ma très chère épouse. Elle s'appelle Feli Mouyaya aussi. Je suis le pasteur au sein de l'église. La puissance de la résurrection. À Viry-Châtillon. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Alors nous ouvrons nos Bibles. Dans les livres de Ésaïe. Ésaïe chapitre 39. Nous lisons à partir du premier verset jusqu'au quatrième. Vous y êtes? Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Vous y êtes? Amen. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. En ce même temps, Merodach Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias parce qu'il avait appris sa maladie et son rétablissement. Ézéchias en rit de la joie et il montra aux envoyés le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, et tout son arsenal et tout ce qui s'est trouvé dans ses trésors. Il n'y a rien qu'Ézéchias ne leur fasse voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Verset 3. Ésaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit: qu'ont dit ces gens-là et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit: ils sont venus vers moi d'un pays éloigné de Babylone. Ésaïe dit encore: qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit: ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. Amen. Amen. On va aller jusqu'au verset 7, mais pour le moment, on arrête là. Amen. Amen. Et nous passons encore aux deux chroniques. Deux chroniques, chapitre 32. Le verset 31. Deux chroniques, chapitre 32. Le verset 31. Vous y êtes? Amen. Je dis au nom du Seigneur. Amen. Cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans les pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver, afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse abondamment sa parole. Amen. Notre thème que nous allons partager cet après-midi s'intitule: amen. Qu'ont-ils vu
Non. Bamonini. Bamonini. Quand il vit dans ta maison. Quand il vit dans ta maison. Est-ce que tu peux poser cette question à celui qui est à ta gauche et à ta droite? Les gens qui sont venus te visiter hier à la maison. Qu'est-ce qu'ils ont vu dans ta maison? Pose la question. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'ils ont vu dans ma maison hier? Quand il vit dans ta maison. Pose la question, s'il vous plaît. Alléluia. Oui, qu'est-ce que les gens ont vu hier dans ta maison? Avant-hier, tu as eu des visiteurs, non? Et qu'est-ce qu'ils ont vu dans ta maison? Ce matin, vous avez des visiteurs. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils vont voir dans votre maison? Amen. 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 Alors, cette histoire concerne un roi très puissant. Ce roi, la Bible l'appelle le fils de David. Il était partenaire de David. Mais il était des ressortissants de la famille de David. Il s'appelle Ézéchias. Le nom de Ézéchias veut seulement dire en hébreu, Dieu a renforcé. Alléluia. Amen. Le nom d'Ézéchias c'est en français, mais en hébreu ça veut dire Dieu a renforcé. Ézéchias était devenu roi à l'âge de 25 ans. 29 ans. Il a régné pendant 29 ans. Il avait succédé son père qui s'appelait Akaz. Son père aussi était roi. Mais pour qu'il y ait succession, il faut que son père puisse d'abord mourir. Alléluia. Amen. Ézéchias était là quand son père était au pouvoir. Il a vécu tout ce que son père a fait. Mais pour qu'il puisse succéder à son père, il a fallu qu'il puisse attendre jusqu'à ce que son père va mourir. Mais j'aimerais d'abord parler de son père pour mieux comprendre d'Ézéchias aussi. Alléluia. Le père d'Ézéchias devient roi à l'âge de 20 ans. La Bible dit ceci. Quand il a eu le pouvoir, il a régné pendant 16 ans en Israël. Mais pendant son règne, il y avait eu un changement. Un grand changement. Un changement radical. Mais dans les mauvais sens. Qu'est-ce qu'on avait remarqué? Pendant que cet homme était roi en Israël, la Bible dit ceci. La première des choses, il avait fermé les portes du temple. Alléluia. Il avait fermé les portes du temple. Or, le temple en Israël, symbolise le lieu où Dieu habitait. La gloire de Dieu en Israël était basée dans les temples. Dans les temples, il y avait une loi qui disait ceci. La lumière du temple ne peut jamais s'éteindre. Et cette lumière symbolisait l'esprit de Dieu. Cette lumière symbolisait la présence de Dieu. Dans les temples, il y avait l'arche. À chaque fois, quand Israël avait un problème, aller très loin.
Il va placer des hauts lieux. Et sentir dans chaque vie. Au lieu que les peuples puissent adorer Dieu. Les peuples allaient maintenant adorer les statues. Alléluia. Les temples étaient fermés. Amen. Oui, c'est ce matin, peut-être qu'il y a d'autres temples qui sont fermés. Amen. Alléluia. Oui, il y a d'autres églises qui sont fermées ce matin. Vous les voyez avec moi. Mais quand l'église est fermée, quand le temple est fermé, la conséquence va se manifester dans nos familles. La conséquence va se manifester dans le pays. La conséquence va se manifester dans nos vies. Ces temples que je vais vous parler, ce n'est pas les temples construits par les mains des hommes. Parce que la Bible dit ceci. Dieu n'habite pas dans une maison construite par les mains des hommes. Et Paul le révèle en disant ceci. Mais savez-vous pas que vous êtes les temples du Saint-Esprit? Alléluia. Mais savez-vous pas que vous êtes les temples du Saint-Esprit? C'est-à-dire, quand tu as fermé les portes de ton temple, la peur de Dieu est déjà partie. L'Esprit de Dieu ne peut plus régner. L'Esprit de Dieu ne peut plus se manifester. La conséquence, c'est dans la famille. La conséquence, c'est dans le mariage. La conséquence, c'est dans notre santé. La conséquence, c'est tout un pays qui est avaché. Alléluia. Alléluia. Alors, cet homme, la case, il va amener l'apostasie, l'idolâtrie. Là où il n'y a plus d'adoration, c'est qu'il y aura l'idolâtrie. Alléluia. Et même si tu n'arrives plus à adorer Dieu, si tu n'as plus la vie d'adoration, sache qu'il y a déjà l'idolâtrie qui est en train de se projeter dans ta vie. Alléluia. Alors, Dieu ne pouvait plus continuer avec cet homme. Parce que tout un pays était détruit. Dieu va susciter un autre roi. C'était le roi Ézéchias. Alléluia. Amen. Je crois que nous connaissons tous ces rois parce qu'il a fait quelque chose de très important dans la Bible. C'était sa prière. Alléluia. Amen. Je crois quand moi aussi j'étais un de mes spirituels, quand j'ai commencé les choses de Dieu, on nous donnait surtout l'exhortation de la prière des Ézéchias de temps en temps. Comment il faut changer la décision de Dieu? Comment il faut changer les plans de Dieu? Au travers d'une prière. C'est ce qu'Ézéchias avait fait. Ézéchias prend le pouvoir. Il devient roi à l'âge de 25 ans. Mais il trouve tout un pays dans la pile. Le pays était par terre. Parce qu'il n'y avait plus l'adoration. La conséquence, les ennemis d'Israël avaient envahi le pays. En exil. Alléluia. Alors, Ézéchias devient roi à l'âge de 25 ans. Amen. C'était un véritable défi. Alléluia. C'était un véritable défi. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va mettre Ézéchias à l'épreuve. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? La première des choses, la Bible dit, la première année, les premiers jours, qui prennent mois. Ézéchias ordonne l'ouverture des portes des temples. Alléluia. On va d'abord commencer par ouvrir les portes des temples. Il n'a pas cherché la bénédiction, ni la délivrance. Mais la première chose, il faut que les portes des temples soient ouvertes. Alléluia. Et même si tu n'arrives pas d'abord à ouvrir les portes de ton temple, parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Ne cherche pas la bénédiction. Amen. Parce qu'elle ne te servira à rien. Ne cherche pas la délivrance. Parce qu'elle ne te servira à rien. La bénédiction. La paix du cœur. La délivrance. Ont de la valeur. Si seulement les portes du temple sont ouvertes. Alléluia. C'est-à-dire que si ton cœur est dans la présence de Dieu, c'est-à-dire que si le Saint-Esprit est venu prendre la place dans toi. Alléluia. Alors, il ordonne l'ouverture des temples. Il fait appel au sacrificateur. Les pasteurs étaient déjà dispersés.
Les sacrificateurs étaient dispersés. Les chambres étaient chacun dans son côté. Il va appeler tout le monde. Et chacun de la puisse prendre sa place. Alléluia. Les sacrifices prennent vie. Les Lévitiques aussi commencent maintenant à exercer leur fonction. Les chambres commençaient à adorer Dieu matin, midi, soir. Alléluia. Je vais dire à un sacrificateur ce matin. Dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Aujourd'hui, on a mal le roi Ézéchias, mais tout le monde est roi Ézéchias. Parce que Jésus-Christ va sa mort. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. C'est-à-dire que tu as dit un grand sacrificateur. C'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est le nom de Jésus-Christ. Alors tu es appelé maintenant à travailler, à être dans la permanence. Dans les temps. Alléluia. Alors il faut que tu comprennes que ma place n'est pas d'ailleurs. Ma place est dans la présence de Dieu. Alléluia. Si tu travailles, c'est pour le corps. Si tu travailles, c'est pour nourrir ce corps. Mais pour la réussite de ta vie éternelle, il faut que tu travailles pour Dieu. Un moyen de sacrificateur. Mais c'est qu'il doit ramener les sacrificateurs en place. Alléluia. Alors il y avait une fête, une très grande fête que Dieu avait ordonnée aux enfants d'Israël. C'était la fête des Pâques. Comme il n'y avait plus d'adoration, comme le temple était fermé, les enfants d'Israël ne pouvaient plus célébrer la fête des Pâques. Alléluia. Alors Ézéchias a ramené encore le peuple à fêter cette fête. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il n'a pas? Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il n'a pas? Selon Exode, la Bible définit la Pâque dans ces mots. Vous allez prendre un agneau. Vous allez l'immoler. Vous allez prendre du sang. Et vous allez mettre sur les lèvres. Les restes, vous allez manger ça en acte. C'est ça ce qu'on appelle le Pâque. Ça, c'est la définition de Dieu. Alléluia. Mais selon les enfants d'Israël, à l'hébreu, le mot Pâque veut dire passer au-dessus, traverser de l'autre côté. Mais selon la révélation, alléluia, Paul me dit ceci, Jésus-Christ de notre Pâque. Oh là là, vous n'avez pas compris. Alléluia, Paul nous dit ceci, Jésus-Christ de notre Pâque. Alors il fallait que Jésus-Christ revienne dans notre vie. Parce que Jésus était déjà à côté. Jésus était déjà sorti. Les rois ont compris qu'il faut que Jésus revienne ici. On ne peut pas être fort sans Jésus. On ne peut pas prospérer sans Jésus. Il faut que nous puissions célébrer la Pâque. Les enfants de Dieu, quand ils célèbrent la Pâque, ils se souviennent maintenant que c'est l'œuvre de la croix. C'est-à-dire qu'ils comprennent qu'un agneau a été immolé pour moi. C'est ça même la délivrance de l'enfant de Dieu. Les rois ont ordonné qu'on puisse encore recommencer la fête des Pâques. Oh bien aimé, en tant que sacrificateur, il faut d'abord privilégier la fête des Pâques dans ta vie. Il faut que privilégier la vie de Jésus-Christ dans toi. Alléluia. Amen. La Pâque de cette fois-ci-là, de cette année-là, Ézéchias avait fait appeler toute la nation. Alors, pour fêter la Pâque, il y avait une condition. Il fallait d'abord commencer à se sanctifier. Le peuple qui est resté pendant 16 ans dans l'impurité, dans les péchés, dans les mal, dans l'idolâtrie, dans l'apostasie. Mais ces jours-là, pour fêter la Pâque, chaque personne a une conscience que je dois maintenant me purifier. Je dois me sanctifier. Alléluia. On n'avait pas péché la sanctification. On n'avait pas péché les péchés. Mais ils ont compris que ici, il s'agit du retour du roi des rois ici dans notre pays. Il faut que le prince de la paix devienne au milieu de toi. La Bible dit Dieu est saint. Il faut que tous ceux qui s'approchent auprès de lui soient aussi saints. Alors on ne peut pas rester dans cet état. On doit nous purifier. Alléluia. Il y a eu la sanctification. Alléluia. Amen. Il y a eu la sanctification. Et des cas ne s'est pas arrêté.
amène la vie d'une femme. Alléluia. On ne peut pas offrir la vie d'une femme là où il y a des péchés. On ne peut pas offrir à Dieu avec un cœur qui vit dans l'idolâtrie. Cette sanctification a poussé les peuples à revenir à Dieu avec leur présent. Alléluia. Alors, et c'est qu'est-ce que l'on va faire encore une très grande chose. Il avait compris que les peuples avaient rompu l'alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. Parce que notre Dieu, c'était Dieu d'alliance. Il ne peut rien faire en dehors de son alliance. Il ne peut pas te parler si tu n'es pas dans son alliance. Alléluia. Amen. Souvent nous avons tendance à demander, à implorer la grâce. Mais il faut d'abord te poser la question, est-ce que tu es dans l'alliance ou tu n'es pas? Alléluia. Amen. Si tu es dans l'alliance, ne t'inquiète pas pour le temps. Ne t'inquiète pas pour la saison. Ne t'inquiète pas pour la période. Dans l'alliance, il a dit ceci. Je serai avec vous. Je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous laisserai pas. Et c'est qu'est-ce aussi va comprendre que l'alliance était rompue. On ne peut pas restaurer un pays sans restaurer l'alliance avec Dieu. Tu ne peux pas restaurer ta vie si tu n'as pas encore restauré ton alliance avec ton Dieu. Ne crois pas qu'avec l'argent tu peux restaurer la vie de ta famille. Ne pense pas qu'en revenant en Europe tu peux restaurer la vie de ceux qui sont restés au pays. Mais si tu es dans l'alliance, il était dit ceci à Abraham. Parce que tu as fait alliance avec moi. C'est que Dieu dit à Abraham. Parce que tu as fait alliance avec moi. Tes descendants, ceux qui viendront après toi, des générations en génération, ils seront bénis. Parce que toi, tu es devenu une source de bénédiction. Dans l'alliance, Dieu te fait une source de bénédiction. Écoutez moi bien aimé de le Seigneur. Dieu ne veut pas la bénédiction, c'est faux. Alléluia. Dieu ne veut pas la bénédiction. Mais Dieu fait de celui qui a une source de bénédiction. Il n'avait pas béni Abraham, mais il avait fait d'Abraham une source de bénédiction. Alléluia. Une source, mais quand tu mets ta connexion avec une source, tu es aussi béni. Quand tu mets dans la source, tu es béni. Mais quand nous voulons rester au cœur de la source pour recevoir des miettes. Alléluia. On a faut que l'alliance soit renouvelée. Parce que les peuples vivaient déjà dans l'ignorance. Les peuples ne comprenaient plus. Les peuples ne savaient plus qu'est-ce qu'on fait. Alors, Ézéchias va remettre maintenant l'alliance. Alléluia. Il va faire montrer à ses peuples une chose. Que vous devez sortir d'abord de la négligence. C'est ça l'âme la plus efficace qui tue l'église aujourd'hui. Alléluia. Il dit ceci. Mon peuple, ce n'est pas les enfants du diable, mais c'est les enfants de Dieu. Ils sont détruits à cause de la marque de connaissance. Amen. Alors, Ézéchias va ramener maintenant le peuple à la connaissance. Et il va dire ceci. Nous devons sortir de la négligence. Alléluia. Quand est-ce qu'il faut sortir de la négligence? Ce n'est pas demain. Ni après-demain. C'est aujourd'hui. C'est maintenant que nous devons sortir de la négligence. Si tu rêves à demain, tu vas te rencontrer avec les satans sur la route. Aujourd'hui, nous devons sortir de la négligence. Qui veut sortir de la négligence? C'est vous les peuples de Dieu. C'est vous qui m'entendez. C'est nous les enfants de Dieu. C'est nous les serviteurs de Dieu. Alors, où? Dans les sanctuaires de Dieu. Alléluia. Il commence à ramener les peuples. On doit sortir dans la négligence. Nous les peuples de Dieu. Dans les sanctuaires de Dieu. Pourquoi? Il va leur dire parce que Dieu vous a dit choisi. Nous sommes les choix de Dieu.
Alléluia. Nous sommes les choix de Dieu. Amen. Oh, tu n'as pas encore compris, mais tu es les choix de Dieu. Amen. Oui, il faut que tu comprennes que tu es les choix de Dieu. Amen. Et c'est maintenant que tu es les choix de Dieu. Parce que la Bible dit, les vouloir et les faire, c'est lui qui les crée en nous. Aujourd'hui, il a cherché plusieurs personnes pour créer les vouloir et les faire. Il a trouvé seulement toi. Il n'y a que toi qui mérites. Ah, si tu savais, tu allais accabler ça. Alléluia. Oui, c'est vous. Parce que vous êtes cherché par Dieu. Qui nous a choisi, c'est l'Éternel qui nous a choisi. En vertu de quoi? En vertu de sa grâce. Alléluia. Amen. Ézéchias commence à révéler le peuple. Vous n'êtes pas n'importe quel peuple. La mission, je vais vous dire que vous n'êtes pas n'importe quelle église. Offrant des parfums, d'adoration. Alléluia. En lui offrant des dons d'adoration. Avec qui? Avec nos frères. Israël. Alléluia. Amen. Dans quelle perspective? Dans la sanctification. Et dans la purification. Amen. Amen. C'est ça l'alliance que. Ézéchias a fait votre père. Il y a encore des boyaux qui ont dit, oh, nous devons revenir à Dieu. Alléluia. Amen. Alors ça, c'était une première épreuve de Dieu. L'or que nous connaissons tous. L'or. C'est une matière précieuse très très chère. Qui a une grande valeur. Mais pour que cet or soit acheté, pour que l'or puisse avoir cette valeur, il faut que l'or soit éprouvé par les fers. C'est la seule manière. Les diamants, il faut avoir des loups pour voir. Les fers ont fait les seigneurs avec avec lui. Mais comme dans l'or, même si ça brille, même si c'est sorti dans la terre, dans notre ciel, dans nos yeux, mais il faut les passer par les fers. Alléluia. Il a fait tout ce qu'il fallait faire pour que la nation puisse revenir à Dieu. Et le peuple de Dieu était revenu vers le Seigneur. La deuxième épreuve. Alléluia. L'adoration était revenue. Le peuple de Dieu allait adorer Dieu tous les jours dans les temps. Oui, le Saint-Esprit est retourné dans toi. Alléluia. Amen. Parce que tu as maintenant la vertu du Saint-Esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit a trouvé son sanctuaire dans toi. C'est la sagesse de Dieu manifestée. C'est la gloire de Dieu révélée. Mais sache que autour de toi, la Bible dit notre anniversaire d'État. Il le rend comme un lion. Il cherche qui dévorer. Et c'est quand c'était dans la joie parce qu'il avait réformé le pays. Mais à un certain moment, chose imprévue. Alléluia. Amen. Il y a les rois d'Assyrie qui veulent attaquer. Alléluia. Amen. Les rois d'Assyrie arrivent. Ils commencent à attaquer le royaume de Jérusalem. Ils pénètrent dans Juda. Ils prennent aussi des camps de vie. Et c'est parce qu'on fait se poser cette question. Mais c'est pas pour continuer.
comment j'ai sanctifié les pays? Mais comment j'ai fait tout pour que la gloire de Dieu revienne? Les sept esprits à moi. Mais d'où vient cet échec? Oui, c'est la question que nous nous posons. Amen. Tous les hommes, on a dit, alléluia. Oui, on se pose la question. Mais la tête est sous les bras du malin. C'est-à-dire, les bras du malin peuvent s'exercer sur notre santé. Tu peux être attaqué par la crise parce que c'est mondial. Mais il y a une force intérieure. Yes. Ça, c'est la gloire de Jésus. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va exaucer. Dieu va permettre que l'ange puisse descendre pour tuer le militaire de toi de Babylone. Jusqu'à ce que les rois de la Syrie aient réparti. Alléluia. Amen. Troisième épreuve. Amen. 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 Ça commence à monter. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça commence à monter. Amen. Vous savez avec Dieu. Oui, le monde a fait. Plus. Nous sommes en train de croître dans sa présence. Puis spirituellement, nous sommes en train de croître. Puis matériellement aussi, nous croissons aussi. Puis aussi, l'ennemi aussi devient fort dans notre vie. Alléluia. Oui, puis Dieu est en train de délivrer. Puis Dieu est en train de croître spirituellement. Puis l'ennemi aussi devient aussi fort dans toi. Puis les tentations deviennent permanentes. Alléluia. Alors il y a maintenant une troisième épreuve. Amen. Ça c'était une épreuve très dure. Mais cette épreuve est arrivée quand? Quand les rois avaient eu la paix. Toute la nation était dans la tranquillité. Alors il fallait que les rois puissent se réjouir de cette paix-là. Mais les choses vont tourner au vinaigre. La Bible dit que les prophètes vont se présenter devant les rois. Les rois qui étaient malades, ils espéraient à une guérison. Et Dieu lui dit là, au travers du prophète, mets de l'ordre. Dans toute ton entreprise. Parce que tu ne guériras pas. Tu vas mourir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que chacun de nous puisse réaliser cette histoire. J'ai longtemps souffert. Tu as longtemps cherché Dieu. Tu as longtemps vécu dans des conditions anormales. Dis-moi, Dieu te bénit. Dieu t'accorde tout ce que tu avais cherché. Dieu te donne tout ce que tu avais perdu. Pendant que tu te retrouves dans la paix. Pendant que tu trouves au moment où il faut se réjouir, Dieu t'envoie encore des messages. Donc tu vas mourir. Alléluia. Qu'est-ce que tu vas faire? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu vas faire? Ézéchias était angoissé. Il était bouleversé. Mais la Bible dit ceci. Les prophètes qui étaient venus donner le message n'étaient pas encore sortis de la cour royale. Ézéchias n'a pas fait les jeunes de prière. Alléluia. Amen. Il n'a pas gêné ce jour-là. La Bible dit qu'il tourna ses mains vers le mur. Il va se rappeler Dieu. Souviens-toi. Et j'ai marché. Non, ne te souviens pas parce que j'étais fidèle à mon mari. Non, souviens-toi. Et devant toi, Dieu, moi, Ézéchias, j'ai marché dans l'intégrité. Alléluia. Amen. Souviens-toi, Seigneur. Bien-aimé,
changer la volonté de Dieu. La Bible dit ceci. Dieu n'est pas un homme nécessairement pour se répandir. Ni un fils de pour mentir. Mais ce jour-là, Dieu s'est répandu. Alléluia. Ce jour-là, Dieu s'est répandu. C'est ce qu'ils arrivent aux yeux de l'Église de Dieu. Oui, nous demandons des miracles. Nous demandons des bénédictions. Mais des fois, on est déjà béni. Mais nous ne croyons pas. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit. Heureux celui qui croit sans pour autant avoir envie. Mais nous nous voulons être heureux si nous avons des actes déjà faits. Si nous avons possédé, là je suis heureux. C'est pourquoi moi je te pose la question, comment ça va? Alléluia. Mais c'est là que c'est là qui a été élu. Alléluia. Donc je ne suis pas encore engagé, je suis heureux. Je n'ai pas encore une épargne, je suis heureux. Je n'ai pas encore une maison, je suis heureux. Alléluia. Mais les rois vont se dire, mais avec cette maladie. Et surtout, ce n'est pas n'importe quel prophète. Les prophètes majeurs comme Esaïe. Quand il dit la chose, la chose s'accomplit. Alors, non, prophète. Donne-moi des signes. Je veux faire un signe. Alléluia. Amen. Oh, Ézéchiel commence maintenant à guetter. Lui qui avait une forte prière. Lui qui avait touché le cœur de Dieu. Alors, quelque part, il va commencer maintenant. Je veux faire un signe aussi. Alléluia. Amen. Ézéchiel, tu veux faire un signe? D'accord. On va te donner un signe qu'on n'a jamais donné à quelqu'un. Madame, mon pomona, elle est morte. Le soleil va s'arrêter. Moi, écoutez-moi. Alléluia. Amen. Le soleil va faire quoi? Va s'arrêter. Moi, écoutez-moi. Il accepte, oui, je vais faire ça. Le soleil est venu dans mon amour. Alléluia. Amen. Les vents commencent à devenir petits. Amen. Amen. Il te voit le soleil s'arrêter. Alléluia, mon amour, écoutez-moi. Cela veut dire quoi? Il y a un homme dans la Bible. La Bible est la peine. L'esprit de vent. L'esprit de la justice. C'est-à-dire, on a fait dire à Ézéchias. Non. Je ne suis pas en train de te mentir. C'est Dieu qui m'a envoyé. C'est Dieu qui t'a guéri. Mais comme tu ne veux pas croire, moi je veux que Dieu puisse venir ici. Que tu vois Dieu. Quand tu le verras, comme ça tu vas croire. Parce que Dieu s'appelle l'esprit de la justice. C'est passé. On va aller rapidement. Tout le monde qui avait appris la nouvelle de sa maladie était émotionné. Tout le monde était étonné. Si j'avais maladie, et surtout que Dieu lui avait envoyé un message, comment s'est tombé guéri? C'est là où nous avons tiré notre prédication. Les rois de Babylone. Qui était aussi l'ennemi juré d'Israël? Alléluia. Amen. Parce qu'à l'époque, le père des Ézéchias, c'est les rois de Babylone qui avaient envoyé d'Israël. Comment tu vas vivre tes 5 ans? Alléluia. Moi, je n'ai jamais fêté mon anniversaire. Et je ne fêterai jamais. On veut qu'on me fasse une surprise, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Alléluia. Vous savez pourquoi? Quand je pense qu'une année de plus, ça réduit les temps qui me restent à vivre. Alléluia. Amen. Oui. C'est-à-dire qu'une année de plus, j'ai fait déjà un pas vers mon tombeau. Comment tu vas te réjouir? Alléluia. Amen. 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 Alors, les 10 et 15 ans d'Ézéchias, ça commence par la visite. Mais son ennemi. Donc, quand son ennemi est arrivé, Ézéchias était très content. Pour lui, c'était une réconciliation. Alléluia. Amen. Les jours que ta rivale viendra te donner un cadeau parce que tu as donné naissance à un enfant. Alléluia. Amen. Les jours que cet homme qui est parti avec ta femme viendra te dire que mon frère,
excuses fort parce que j'étais parti avec la femme. Mais regarde, j'ai donné cette voiture parce que je t'avais fait du mal. Le jour que ton chef qui t'avait dit ça, c'est sans motif. Il t'appelle encore, reviens. J'ai eu cet argent. Alléluia. Amen. Comment tu vas te sentir? Amen. Amen. Comment tu vas te sentir? Comment tu vas te sentir? Pour Ézéchiel, c'était une réconciliation. Mais pour Dieu, c'était une épreuve. Alléluia. Lui, il croyait que c'était une réconciliation. C'était un acte de bienveillance. Mais pour Dieu, c'était une épreuve. La Bible dit cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès de lui pour s'informer des prodiges qui avaient eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna. Alléluia. Dieu l'abandonna. Oh, la Bible dit, Dieu est avec vous si vous êtes avec lui. Mais si vous l'abandonnez, il nous abandonne aussi. Alléluia. Ézéchiel, dans ce moment-là, il a abandonné Dieu. Parce qu'il lui restait 15 ans. Je dois m'en appuyer. Je dois régner. Je dois m'en appuyer. Oh, il me reste 15 ans seulement. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui vont seulement mener sa vie dans les désordres pendant 15 ans et 9 et 11 mois. Les derniers mois, pour faire 15 ans, c'est là où je vais maintenant. Et restaurer ma vie. Alléluia. Mais lui a commencé au début. Or, Dieu l'avait déjà pardonné. Ce n'était pas une réconciliation, c'était une épreuve. Tu ne peux pas t'accepter dans sa présence si tu n'es pas encore passé par des épreuves. Parce que c'est que toi, tu as de la valeur devant lui. Tu es comme de l'or dans les mains du Seigneur. Alléluia. Et pendant cette épreuve, les gens vont chier. Alléluia. Mais souvent, nous enseignons beaucoup plus sur sa prière. Mais nous, ce que c'est, c'est pas sa prière. Oui, nous voulons plus court avoir des bénédictions. Nous voulons être loin de la puissance de Dieu. Nous voulons voir la gloire de Dieu dans nos vies. Mais après la gloire, après cela, alléluia. Après cela, dans la pêche. Alléluia. Et c'est parce qu'on croyait que Dieu était fini. Non, avec Dieu, quand il a déjà guéri, c'est fini. Oui, Dieu, c'est déjà fini. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir tout ce qu'il possédait comme richesse. Je dois aller faire voir ses péchés. Et tout ce qu'il avait, la Bible dit, c'était le peuple qui l'avait béni. Et Dieu l'avait donné un cœur. Pour continuer tout ce qu'il a. Mais ce jour-là, il n'a pas parlé du peuple. Alléluia. Il n'a pas dit non, c'est ce peuple qui m'a donné ces choses. Allez, pasteur, commence à vouloir avec un mère béni dans l'église. Alléluia. Il n'a pas parlé de l'église qui m'a acheté. Ça, c'est mon action. Alléluia. Ça, c'est l'œuvre de mon sueur. Non. La manque de reconnaissance. Alléluia. Il fait sortir tout ce qu'il possédait. Comme un arsenal de cœur. Arsenal. Alléluia. Oh, c'était des choses stratégiques. Mais il faut à son ennemi. Regarde ces péchés comme un arsenal. Mais regardez la qualité de l'or que je possède. Sans compter la richesse. Sans compter les biens. La Bible dit qu'il n'avait rien caché. Tout ce qui était dans sa maison, il a montré. Alléluia. Amen. Alors, Tiku. Le prophète a parlé. Oh, roi. Qui sont ces gens qui sont venus chez toi? Ils viennent tout. Mon prophète. Tout est Babylon. Celui-ci c'est le fils du roi. Le prince héritier. Alléluia. Amen. Mais tu peux te poser cette question. Qu'est-ce que l'ennemi a vu dans ma maison? Amen. Amen. Quand je parle de l'ennemi, c'est pas celui qui est à côté de toi. Nous tous nous avons un ennemi en commun, c'est Satan. Mais il se sert de ses démons pour nous attaquer. Quand l'ennemi de ce vivant se présente dans ta vie, qu'est-ce qu'il remarque?
Quand l'ennemi de la prophétesse est présent dans ta vie, il remarque quoi? Quand l'ennemi vient te voir, te visiter, qu'est-ce qu'il remarque dans ta vie? Ça m'étonne aujourd'hui dans l'église. Un couple qui vient de se marier. Ils sont menés à l'église. De même, l'église va aller visiter le couple à la maison. Je n'ai jamais vu une exhortation. On commence à frapper les cadeaux qu'on a reçus. On commence à regarder comment la fête s'est passée. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils ont vu dans ta maison? Les célibataires, quand ils sont venus te voir, ils ont vu quoi? Toi qui t'es marié. Et ceci, il a envoyé ses serviteurs d'aller faire des recherches dans la sagesse de Salomon. Alléluia. Amen. Ces serviteurs sont allés chercher les proverbes de Salomon. Et à chaque fois qu'il répétait ça au roi, parce qu'en Israël, si tu veux bien diriger le pays, il faut suivre l'exemple de Salomon. Parce que Salomon avait eu l'inspiration de la sagesse de Dieu. Alléluia. Amen. Mais quand ils sont allés chercher, ils ont amené un proverbe qui se sent dans la Bible. Alléluia. Amen. Proverbe. Si quelqu'un peut encore nous préparer, Proverbe 29. Et peut-être que c'est quelqu'un qui disait. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Tu es un roi. Parce que tu fais partie du royaume des sacrificateurs. Tant que tu marches, fais mettre dans ta tête que je suis un roi. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que tu vis sur cette terre, mets dans ta tête que je suis un roi. Alléluia. Amen. Alors, les rois Ézéchiel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a médité ça. On lui fait voir que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire de toi, roi, c'est de sonder les choses. Les rois, quand il a vu cette visite, il a sonder. Il a oublié de discerner. Alléluia. Oh, quand tu n'as pas le discernement des choses de Dieu, quand tu n'arrives pas à discerner chaque étape, chaque situation dans ta vie, chaque problème qui t'arrive, tu vas tomber dans les pièges de l'ennemi. La vie de Ézéchias est semblable à la vie de Salomon. De Job, pardon. C'était presque la même chose. Parce que Job a été aussi mis à l'épreuve par Dieu. Mais la seule différence, Job, lui, alléluia, il a sauvé la situation. Il a discerné l'époque. Il avait compris le moment. Il a compris que non, cette étape qui est en train d'arriver dans ma vie. Il y a cette personne qui vient de mettre. C'est Dieu. Alléluia. Parce qu'il dit ceci. Qui dira qu'une chose arrive? Et cela vient si l'Éternel le permet. N'est-ce pas le bien que le mal, c'est Dieu qui le permet? Alléluia. C'est pourquoi quand je dois commencer à réfléchir, quand il va commencer à sonder la maladie, quand il va commencer à sonder l'origine de son problème, il va conclure en disant, j'ai entendu parler de Dieu. Oui, j'avais dit rien, il dit que Dieu est bon. On vit ce Dieu-là. Pendant qu'il parle que tes yeux ont vu Dieu, c'est pendant que ta chair est en train de se connaître sur ses sons. J'ai un mot pour toi. Je crois que tu es le mari fidèle. Mais à cette étape, au bout, tu es arrivé. À ce niveau-ci, j'accepte de te plaire. J'accepte de t'enlever. J'accepte de t'enlever. Parce que tu ne penses pas comme ça. Mais Dieu dira non. Moi, j'ai entendu parler de Dieu. Mais Dieu est en vie. Mais Dieu est en vie.
parlera ton cœur. J'avais compris que ça c'est le désert de Dieu. Amen. Alors comme il avait son cœur, la situation, il va conclure en disant, quand il enterre est vivant. Alléluia. La deuxième chose, les rois n'avaient pas bien employé le temps. Nous devons manger parce que demain nous allons mourir. C'est le temps de se réjouir. Il me reste encore 15 ans. Non, la Bible dit, il n'y a que Dieu. On se demande aujourd'hui, le mari m'a quitté. La femme m'a abandonné. Est-ce que tu veux te rappeler les choses que tu t'es marié? Amen. Sachez. It's good to have a friend, but it's a blessing.